Pour rédiger un article, vous devez être connecté au site internet de Tela Botanica. Si vous ne possédez pas de compte, vous devez en créer un. Rendez-vous ensuite dans l'onglet « Actualité », puis « Proposer une actualité ». Sur cette page, choisissez la catégorie de l'article que vous souhaitez écrire. Ici, nous écrirons une brève. Remplissez ensuite les différents champs. Renseignez le titre de votre article, son contenu, et le texte d'intro. Dans le contenu de l'article, vous pouvez insérer des médias. Ici, nous ajouterons un fichier PDF. Vous pouvez également ajouter des photos ainsi que des images pour illustrer votre article. Pensez bien à citer l'auteur. Une fois les différents champs renseignés, cliquez sur « Prévisualiser ». Si votre article vous convient, cliquez alors sur « Valider ». Tous les articles sont soumis à modération. Une fois que la personne en charge de cette modération aura validé votre article, vous pouvez le retrouver sur le site de Tela Botanica. Pour retrouver l'ensemble des articles, cliquez sur « Actualité » puis « Actualité ». Sur le menu de gauche de cette page, vous pouvez rechercher des articles en fonction de leur catégorie. Vous pouvez également rechercher un article en fonction d'un mot-clé en utilisant cette barre de recherche. Pour rédiger un événement sur le site de Tela Botanica, assurez-vous d'être bien connecté. Cliquez ensuite sur « Actualité », puis « Proposer une actualité ». Sur cette page, choisissez la catégorie de l'événement que vous souhaitez créer. Ici, nous créerons une sortie de terrain. Renseignez ensuite les différents champs, comme le titre de votre sortie, la date de votre sortie. Renseignez le début et la fin de votre sortie si celle-ci se déroule sur plusieurs jours. Renseignez ensuite la description. Renseignez si l'événement est gratuit ou payant. Écrivez un contact pour que les personnes souhaitant vous contacter puissent le faire. Et enfin, le lieu de votre sortie. Cliquez ensuite sur « Prévisualiser ». Si votre événement vous convient, cliquez alors sur « Valider ». Contrairement aux articles, les événements ne sont pas soumis à modération. C'est-à-dire qu'une fois validés, ils sont directement visibles sur le site internet de Tela Botanica. Pour trouver l'ensemble des événements, cliquez sur l'onglet « Actualité » puis « Événements ». Sur le menu de gauche, vous avez la possibilité de rechercher des événements par leur catégorie ou bien utiliser la barre de recherche afin de chercher les événements proches de chez vous. Pour vous abonner à la lettre d'actualité hebdomadaire de Tela Botanica, assurez-vous d'être connecté au site internet. Si vous ne possédez pas de compte, vous devez en créer un pour vous abonner à la lettre d'actualité. Rendez-vous ensuite dans l'onglet « Actualité » puis « Actualité ». Sur le menu de gauche, dans le cadre « Recevoir la lettre d'actualité », cliquez sur « S'abonner ». Vous serez alors dirigé vers votre tableau de bord. Dans l'onglet « Mon profil »,« Modifier », vous pourrez alors
Cochez la case « Je souhaite recevoir la lettre d'actualité hebdomadaire ». Cliquez ensuite sur « Enregistrer les modifications ». Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'actualité, décochez simplement cette case en n'oubliant pas d'enregistrer les modifications.